C'est Thomas Naïmé, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Cité des Maîtres, ce sera l'épisode 8 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode découverte, donc aujourd'hui on va explorer. Mais avant tout cela, je vous ai préparé pas une surprise mais un gros changement, puisque vous voyez que déjà hop, l'entrée n'est absolument plus la même, hein. J'ai totalement tout changé, bon, j'ai pas retrié les coffres. Je vais vous faire voir, bon ça c'est vite fait, le balcon il y a juste des barrières qui ont été ajoutées, là c'est simple. Après vous allez voir qu'il y a quand même des gros changements. Par exemple la mine, l'accès à la mine a été complètement changé avec des escaliers qui ont été mis. J'ai pas fini de mettre les escaliers mais ça je le ferai plus tard, c'est pas grave. Voilà, là on a l'accès rapide à la mine, là on a les champs, voilà donc j'ai fait une petite serre. Hein. Alors oui, mais alors tout le monde va me poser la question, oui mais tu as trouvé où la glowstone? Bon, je l'ai pris en créatif mais on s'en fout un peu, hein. Voilà, c'est pas grave. J'ai fait ça pour la déco, j'ai fait ça pour le bien, donc faites pas chier. Donc du coup, aujourd'hui j'ai préparé mon matos. Alors oui, alors évidemment ça, il faut que j'y arrive. Voilà, ça arrive, c'est des choses comme ça qui arrivent. Et alors voilà, il faut essayer de sauter à l'échelle de là-bas. Alors chaque fois ça fait sauter là, bon, c'est chiant. Voilà, bon c'est pas grave, on va passer par l'autre côté. Donc du coup, oui mais par l'autre côté il va falloir faire un tour. C'est pas grave, on va passer par l'autre côté. Aïe, oh, c'est pas grave. Alors je m'entraînerai à passer par l'autre côté. C'est pas grave, je vais passer par ce côté là. Donc du coup aujourd'hui on va préparer le matos pour aller... non ça par contre ça j'accepte pas, time set day. Hein. J'ai complètement oublié mais normalement chaque fois je mets le time set day à chaque début de vidéo. Donc faites pas chier time set day. Du coup avec tous les fers qu'on avait fait chauffer la dernière fois on va faire une armure. Donc j'ai aucune pièce d'armure pour l'instant, on va faire un plastron. Tac. Jambière, popo tutti quanti, tac, et voilà, et un casque. Donc du coup là on a un stuff full fer, c'est déjà pas mal. Voilà, avec les deux diamants que j'ai obtenus, on va faire une magnifique sword, une magnifique épée pour pouvoir aller combattre les stremons. Donc j'ai absolument pas de quoi me ravitailler niveau niveau nourriture, ce qui est assez embêtant. J'espère trouver un oula, j'ai eu l'impression d'avoir un bruit super bizarre. De quoi me ravitailler, j'espère que je vais trouver un chemin. Là je vais pouvoir déjà me faire un pain, mais ça suffira sûrement pas. Donc faut que je replante, il faut que j'y pense à replanter parce que sinon j'y repense absolument pas. Tac, 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 voilà. Donc voilà. Donc on va reposer tout ça. On va se faire un pain. Hop. Non, je vais pas le manger, je vais le garder. Alors, niveau matos, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc une pioche, oui. Alors on va prendre de la cobble. On est d'accord. Une flèche, ça sert à rien. Niveau bois, on est bon. On va prendre un four, oui. Une table de craft, oui. Je crois que c'est tout. Une fleur, on en a rien à faire. Une pousse, on en a rien à faire. Je crois que c'est tout. Bon, on va prendre ça. Donc allez, c'est parti. Donc je pense qu'on va aller. Hop, ça sert à rien que je prenne deux épées. Bon, c'est pas grave au cas où. Hop, voilà. Donc on va aller vers là-bas. Alors je sais pas si c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest. Hein. On va dire que notre maison est plein nord. Donc du coup, ben, on va aller vers le nord. Je vais commencer. Je mangerai plus tard. Au revoir, je mangerai plus tard. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Alors, allons explorer tout ça. Alors, bon, il faut que je mette quand même mes outils en premier. Ma table de craft, je vais la mettre là, voilà. Et on va partir à l'aventure. J'espère qu'on va trouver des choses assez bien, des villages PNJ, des trucs comme ça. C'est toujours assez cool à obtenir. Alors, je rappelle que cette aventure est en 1.8.9 ou 1.8. C'est presque pareil, on s'en fout un peu. Là il y a des moutes que je vais tout de suite exploser car ça c'est de la bonne viande. What, comment j'ai pu faire en sorte que ma barre de faim descende aussi vite?
Bon, mais c'est pas grave, ok, je vais. Waouh, elle descend super vite. Je suis en quoi là? Un normal? Oh, waouh! Un normal, elle descend aussi vite. Oh, je vais marcher alors. Ouais, mais d'un côté, marcher, non, c'est chiant. Ok, bon, je vais courir, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais courir sans faire de la merde, si c'est possible. Là, on a un petit trou dans une falaise. On va voir s'il y a des choses intéressantes dedans. Point, point, point. À moins que. À moins que. Wow. Oh, on ira plus tard. Là, il y a un poulpe. Je vais lui faire deux poulpes. Je vais leur faire. Voilà. Tac. Et le deuxième, il est où? Le deuxième, il va bloquer. Il est là. Voilà. On va continuer vers là-bas. On va essayer de trouver quelque chose de mini. On le fera plus tard. C'est pas dramatique. Je commence déjà à avoir faim. C'est assez embêtant ça. J'aurais dû prendre du charbon. Je l'ai pas fait. Grosse erreur de ma part. C'est pas grave. Allez, venez goûter à ma nouvelle épée. Au revoir. Au revoir. Hop. Est-ce que j'ai récupéré les côtelettes? Oui. Et là, je récupère aussi les côtelettes. Voilà. Donc, je pense que je vais explorer. Enfin, ça dépend. En combien d'épisodes j'ai exploré. Tout dépend de ce que je trouve. Si je trouve d'entrée un village PNJ, un temple, je sais pas quoi, là. Je retournerai vite à la maison. Sinon, je continuerai à explorer. Qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va prendre le four, on va faire chauffer un peu tout ça. Donc, un combustible, on va mettre ça et on va faire chauffer tout ça. Voilà. Bah. Ça, c'est parce que je suis fort. On va attendre. Est-ce qu'il y a du charbon? Non, il y a. Ok. Non, il n'y a pas du charbon. J'ai coupé un peu de bois pendant que ça chauffe. Bon, pour l'instant, c'est assez tranquille. Moi, je suis content, je reviens de la plage. Ça fait, il y a... Attends, c'est quelle heure? C'est 7h30. Je suis revenu à la plage il y a une heure. Donc, je suis assez content, je suis assez relax. Donc, pour faire une vidéo, c'est assez sympa. Voilà, donc c'était tranquille, c'était pas loin. J'ai fait quoi? 45 minutes de route. Bon, je déteste faire du trajet en voiture. Enfin, je déteste. C'est pas quelque chose que j'apprécie trop. Bon, personne n'apprécie de faire. Y a personne qui est en mode ouais, aujourd'hui je vais faire 3 heures de route, génial. Voilà, y a personne qui est comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. C'est voilà. Y a des gens que ça dérange pas, ça je comprends. Mais moi je suis vraiment quelqu'un qui aime pas trop. Genre, quand tu fais 8 heures de bus, à la fin tu pètes un câble quoi. Bon, après quand t'es entre amis, tu t'en fous. Mais voilà, après quand t'as rien à te dire, ça c'est chiant. On va attendre que les 4 trucs finissent de se chauffer. Pour l'instant, je vais manger. Alors, je suis assez content, ça redonne quand même assez de bouffe. Tac. Et le dernier. Voilà. Alors, on va manger et on va continuer vers là-bas. Ok. Alors, normalement, je devrais pas perdre les coordonnées, oui les coordonnées de la maison puisque je les ai enregistrées, donc normalement je ne serai jamais perdu. Alors vous avez vu que la nouvelle déco de la maison, elle est vraiment pas mal. Ça m'a pris quand même une bonne heure. Je sais pas si je vous ai fait tout voir, j'en ai aucune idée. Alors lui il est mort d'une chute, le pauvre. Ah, il veut me bloquer lui. Tiens, voilà. Allez, on va escalader un peu tout ça. Donc c'est vrai que le biome, les biomes exagérés, je les appelle un peu comme ça, c'est quand il a les formes un peu exagérées. La plupart du temps, c'est des désavantages. Hein. C'est joli à voir. Mais après, voilà, faut grimper partout. Oh là 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 là. On est tombé sur de la bonne citrouille. Par contre, ça se coupe avec une citrouille, ça se coupe avec ça. Okay. Parce que là, on va pouvoir faire un plantage de l'extrême. Deux citrouilles, ce qui est assez intéressant. Ça on s'en fout. Je vais pas faire fleuriste, donc casse-toi. Donc voilà, une citrouille, ça c'est cool. Et si cette vidéo, série ne se termine pas avant Halloween, je mettrai une citrouille sur la tranche. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite une citrouille sur la tranche, mais ça fait. Ok, je peux pas, merci. Voilà. Est-ce que c'est pas chiant ça? Voilà, alors bonjour, le gameplay est très chiant,
Non, je vais enlever ça tout de suite. Et je vais remettre mon fabuleux casque. Alors, il va falloir que j'enchante tout cela dans les prochains épisodes. Ah oui, et aussi le portail du Nether que je vais pouvoir faire, puisque il y a de la lave et de l'eau à l'infini dans cette map. Il y en a partout. Tu tournes la tête, tu vois de la lave. Là, genre, je tourne là. Bon, il n'y en a pas, ok. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Par contre, je sais pas pourquoi, mais il y a énormément de cochons. Je sais pas combien de côtelettes de porc que je fais là, mais ça y va. 16. Oh, mais je vais ouvrir une boucherie à la fin de la play. De la. Je cherchais le mot. De la. Non, j'ai pas le mot. Il veut pas. De la. Série, voilà. Tain, ce mot, il veut pas. Hein. Aujourd'hui, ah là 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 là. Il veut pas sortir de la bouche. Alors. Bon, pour l'instant, rien. Mais aussi, où tu veux que ça spawn des villages PNJ là. C'est pas possible. C'est juste impossible que ça spawn ici. Faudrait que je trouve un endroit assez plat. À la limite, une mine de PNJ. Mais bon, ça, c'est pas le délire. Hein. C'est pas le truc exceptionnel. C'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche des bons trucs. Avec beaucoup de ressources, ce qui est très assez intéressant. Alors, la nuit va bientôt tomber. Je vais me faire un lit. Voilà, bon, mais en fait, j'ai déjà la table de craft. Tac, tac, tac. Les laines sont où? Je n'ai qu'une. Génial. Bon, mais c'est pas grave. On passera pas la nuit. Voilà, on la passera. Ok. On la passera dans la forêt noire. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors là, il y a une mine, sauf s'il y a des trucs intéressants là. Ah oui, alors, il y a beaucoup de mines par contre. Hein. Oh là 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 là. Non, je vais pas les miner. Surtout la nuit, ça me fait pas du tout flipper. Du coup, voilà. Donc je suis assez content. Il y a le nouveau Call of Duty qui s'appelle Infinite Warfare qui va sortir. Donc j'espère vous proposer des gameplays dessus. Alors, j'ai un petit sondage à vous faire, comme ça dans les commentaires. Hein. Pour vous, quelle est la meilleure console? Dans la console, j'inclus l'ordinateur, le PC, puisque je considère ça comme une console. Alors, bon, j'ai pas envie de lancer un débat. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas une console. Ouais, ta gueule, c'est bon. Hein. C'est une console, tu peux jouer dessus avec des jeux, fais pas chier. Voilà, voilà. Hein? Voilà, fuck les débats. Par contre, je suis absolument pas sur un serveur, mais c'est là quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Bon, tant que mon personnage bug pas, hein, on s'en fout un peu. Alors, c'est plus. Oulala, coulée de lave. Le truc en mode extrême. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours joli à voir. Par contre, la nuit elle va vraiment tomber d'aplomb là. Là, j'intérêt vraiment à faire gaffe. Allez, pourquoi tu veux pas sprinter? Il est un peu fainéant, mon perso. Hein. Là-bas, il y a beaucoup de verdure, mais aucun village à l'horizon. Bon, les côtelettes de porc, général. Ah, par contre, le cuir, je dis pas non. Je sais absolument pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire avec le cuir, mais je m'en fous. Je prends quand même le cuir. Toujours quelque chose de pris. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Alors, je sais même pas si les villages PNJ ils spawnent. Bon, c'est pas grave. Ah, mais disons, alors là, je crois que je suis un peu loin de la maison quand même. Hein. Elle est de l'autre côté carrément. Bon, toujours en mode exploration. Rien de trouvé pour l'instant. La maison a été améliorée. Bref, voilà, on aura quand même fait un bon gros épisode. Donc je vais vous laisser sur... Non, je vais quand même buter... Voilà. Donc je vais vous laisser sur ce. Donc quoi d'autre à part de vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne journée, un bon tout ce que tu veux. Et donc du coup, on se redit... Voilà, on va la refaire. Quoi d'autre à part de vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne journée, un bon tout ce que tu veux. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode 9, si j'ai pas de bêtises, de la Cité des Maîtres. Allez, salut, salut.